Bonsoir, c'est l'espace connectique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment économiser l'énergie de votre smartphone pendant longtemps. Ça marche très bien. Pour cela, on aurait besoin de deux applications utiles. Le premier dont vous avez vous qui sont là dans l'écran d'accueil, Greenify en anglais ou bien Greenify, et l'autre c'est Spost. Install. C'est-à-dire que ces deux-là sont fondamentaux pour le but de cette économisation. Donc, pour ces deux applications, il faudra d'abord router votre smartphone. Là, c'est primordial. Il faudra router parce que sinon, vous n'aurez pas plus de fonctions à régler dans ces deux applications-là. D'abord, le premier qui est Greenify, cette application vous permettra de hiberner toutes les applications de votre système, y compris les applications préinstallées, les applications du système. Parce que le root vous donnera cette possibilité de hiberner les applications du système. Mais il faudra faire très attention parce qu'il y a des applications dont si vous hibernez, ça risque d'endommager votre smartphone. Mais c'est pas grave, c'est pas trop grave, c'est pas aussi compliqué. Donc c'est ça le but. L'autre spot, c'est pour les spots install. C'est une application qui vous permettra d'activer le module de l'application dont vous avez besoin. C'est-à-dire, ça permettra d'activer plus de fonctions, plus d'engouement. Là, c'est très intéressant. Et puis, pour le premier, il faudra aller sur Play Store. Play Store, l'installer, le télécharger. Donc, pour le second aussi, ce n'est pas sur Play Store, il faudra aller sur les navigateurs et d'installer la version APK. Donc pour le premier, donc nous allons essayer de l'ouvrir pour aller de l'avant. Donc celle-là, l'application bienvenue dans Greenify. Donc celle-là, mode de fonctionnement, là on va attendre un peu. Et donc vous avez trois options à choisir. Pour le premier, mon appareil n'est pas routé, mon appareil routé incertain. Et donc pour les smartphones dont leurs appareils ne sont pas routés, il faudra choisir. La première fonction. Quant à moi, mon appareil routé, je vais choisir le second et incertain, c'est-à-dire si vous ne savez pas si votre appareil est routé ou pas, donc il faudra choisir incertain. Donc pour moi, et donc mon appareil routé. Si votre appareil est routé, vous aurez le droit de superviseur, super utilisateur, donc ça va vous donner l'autorisation pour avancer. Donc vous verrez, c'est la des privilèges de route. En mode racine, Greenify requiert un privilège de route permettra pour effectuer une mise en veille prolongée sérieusement pendant le mode de veille. Donc vous avez privilège de son accordé. Vous pouvez maintenant appuyer sur suivant, terminer. Donc l'importance de cette application, c'est-à-dire que le drain de la batterie, le monopole de la RAM et les utilisations perspectives, appréciées et oubliées. Donc pour le premier, c'est ça qui nous intéresse surtout. C'est-à-dire que le batterie, votre énergie, c'est-à-dire que l'énergie que consomme les smartphones sera automatiquement à l'attente, c'est-à-dire que cette application va immerger toutes les applications dont qui sont gourmands, qui visent l'arrière-plan du processeur et aussi que la RAM. Donc ça va les libérer aussitôt et puis votre téléphone sera très rapide, trop fluide et puis ça va économiser beaucoup d'énergie et puis là vous aurez une autonomie jusqu'à long terme. Donc pour cela il faudra appuyer sur plus là. Donc vous verrez maintenant aller sur cette fonction tout afficher. Donc il faut faire attention à ne pas hiberner les applications, certaines applications du système, parce que ça risque de endommager votre smartphone. Donc pour reconnaître les applications qui sont hivernables, et donc il faudra ces genres d'icônes, c'est-à-dire sont là. C'est toutes ces applications qui montrent ceci, c'est-à-dire qui sont hivernables. Il faudra appuyer ces gens des applications là.
Donc, afficher plus, vous verrez plus d'applications. Comme par exemple, 10 fois, vous aurez des applications préinstallées qui consomment beaucoup d'arrière-plan et puis qui sont hivernants, il faudra les casser. Donc, pour moi, mes applications, certaines sont hivernables. Toutes les applications dont l'icône n'affiche pas, c'est-à-dire ces applications n'utilisent pas d'arrière-plan. Donc, pour cela, comme vous le voyez, directeur hivernable, ces deux-là, et aussi que l'autre. Et puis, si vous avez terminé de causer, appuyez sur confirmer, vous verrez. Donc, si ce bouton, vous verrez ce bouton, c'est-à-dire hiberner. Donc, ça est là, hiberner. Vous appuyez et puis ça va automatiquement hiberner les applications. Pour moi, mes applications sont déjà hibernées. Donc, une fois c'est fait, allez sur paramètres. Donc, le but de l'autre, de notre application qui est SpawnMet est là. C'est-à-dire que SpawnInstall vous permettra d'activer plus de fonctionnalités, c'est-à-dire que ça y est là. Les fonctionnalités SpawnMet, c'est-à-dire plus de fonctionnalités. Spot vous donnera l'opportunité d'avoir des fonctions avancées. C'est-à-dire que vous voyez la fusion du time, c'est-à-dire que les applications divisent la fusion du temps par l'eau pour toutes les applications, pas seulement celles faites par le KickKey. C'est-à-dire que vous aurez plus de fonctions, vous pouvez désactiver. Une fois les applications hibernées, vous pouvez même désactiver. C'est-à-dire que la navigation, le message, tout ça permettra aussi d'économiser plus d'énergie. Puis là, c'est bien. Donc, si c'est fait, si vous voulez, vous pouvez aller sur paramètres, créer un raccourci. Et un raccourci, et puis là, épargner maintenant, veille plus hivernant. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, ça a été créé. Vous le retrouverez ainsi. Là, si c'est fait comme par exemple à la suite, c'est là, c'est la dernière fois. Si vous avez besoin d'hiverner l'application, il faudra venir sur votre écran d'accueil. Je crois que la vidéo vous a surpris et vous a plu. Et puis, je vous conseille de abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, pour plus de éclaircissements sur les autres vidéos à venir. Donc, notre prochaine vidéo va se concentrer sur comment router les avantages et les inconvénients du route. Merci beaucoup, je crois que la vidéo vous a suffi. À très bientôt, c'est l'Extra Community. Merci beaucoup.